Bonjour à tous. Juste rapidement, aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer des petites choses qui prouvent les temps qui sont de plus en plus longs. Quand on fait des transcriptions, des choses du genre, comme là aujourd'hui, j'ai un Evoke qu'on a un problème de coulage et il faut enlever la transcription. Donc, là, je vous montre, dans le fond, là ici, il y a une petite feutrine, mais en dessous de la feutrine, on a la fameuse transmission. Puis, on est en train de travailler là-dessus. Mais ce qui fait qu'on la voit, ben c'est parce qu'on a enlevé du stock pas mal. Là, à ce moment-là, le moteur est supporté là. Mais on a enlevé à peu près plein d'affaires, des supports. Ce que vous voyez là, le fameux cradle en avant, il y a un subframe complet. La crémaillère a été enlevée. Donc, la suspension, les link kits, les bas joints, les cardans, des faucelles. Des freins par l'effet même. Fait que comme vous voyez, c'est la suspension qui tient à rien. C'est rien de spécial. La plupart des garages vont le comprendre. C'est quelque chose qui est inévitable. L'auto est faite comme ça. Faut démonter plus qu'avant. Et on a même un outil, même chose. Transmission. Caravane. La différence est faible, c'est le même pattern quand même. Oui, là, il se fait un peu mieux parce que le subframe est dessiné différemment avec une barre centrale de support en place. Mais c'est le même principe, donc il faut aller se séparer. Mais après avoir démonté pas mal, donc la suspension est démontée, faut aller débrancher pas mal de stock pour arriver à descendre et remonter cette fameuse transmission. Donc, ça explique un peu pourquoi, là, c'est ça. Ça fait des temps un peu plus... les autos sont montées plus serrées, puis il y a plus de temps là-dessus qui est mis sur ces dossiers-là. Et ça... Parce qu'il y a des choses... C'est souvent, les gens comparent avec les anciennes mentalités, puis les anciennes mentalités étaient faites pour des transmissions à propulsion. Donc, la transmission était vers le milieu, puis il n'y avait qu'un seul arbre pour la propulsion arrière. Ça faisait des transmissions excessivement faciles à démonter. En bois de pont, pour une transition à traction qui est dans un environnement beaucoup plus chargé, pas le choix. Fait que c'est ça pour aujourd'hui, une simple distinction de travail sur ce qui est à faire aujourd'hui quand on commence à jouer dans le plus lourd des gros morceaux, on va appeler ça comme ça. À la prochaine pour une autre capsule.